Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Élise, éducatrice sportive des métiers de la femme depuis 2007. Aujourd'hui, cours de renforcement musculaire sous la sangle abdominale, orienté un peu plus sur la taille et les obliques. Vous aurez juste besoin d'un tapis, serviette et bouteille d'eau. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas toute seule. Et elles sont plus, elles sont habillées tout en rose, elles ne m'ont même pas dit. Donc, attention, sur ma droite, j'ai Christine, j'ai Patricia... J'ai Florence, j'ai Régine au centre, j'ai encore Florence en bleu, ensuite Dani. Eh mais on la voit pas, elle est cachée, il y a Valérie. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti, go, échauffement. Allez, on va pouvoir écarter les pieds, fléchir sur ses jambes, se grandir. On rentre le ventre, on monte les bras en inspirant, on crochette les doigts, on étire et on s'incline sur la droite. Allez, cherchez vers le haut, fixez votre bassin, on revient en inspirant et on souffle à gauche. Très bien, on revient, on relâche les bras, on ouvre les bras de chaque côté. Inspirez, aspirez votre nombril, on ressort les mains, les crochettes, et on pousse, on arrondit le dos, jambes fléchies, on rentre le nombril, on monte tous les bras, on inspire, étire, étire, et on relâche, on souffle, on ouvre la poitrine, inspire, souffle, hop, on va venir mobiliser un petit peu plus la colonne, on échauffe, très bien, inspirez, soufflez, prenez votre temps, encore plus que deux. La dernière, et ensuite, inclinaison droite-gauche, droite-gauche. Toujours jambes fléchies, jambes souples, fixe bien ton bassin et aspire bien ton nombril. Voilà, allonge la colonne, regarde loin vers l'avant. Très bien, essaie aussi de bien resserrer la taille. Bon, on échauffe aussi la sangle abdominale, encore deux. Et là, on balance droite-gauche, hop, on balance. Encore, garde bien les épaules basses, allonge la nuque, très bien, souple sur les appuis, surtout ne restez pas en apnée, continuez à inspirer, à souffler et engagez toujours le centre, voilà, sangle abdominale, encore, très bien, encore 4, 3, 2, 1 et on marche sur place, marchez sur place. Profitez pour aller chercher vos affaires si vous avez oublié. Et on va bientôt partir sur les abdominaux. Allez, à tout de suite. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes. On va y aller. Donc, 5 exercices basés sur la taille et les obliques. 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération. D'accord? Donc, go, c'est parti. Chrono. Donc on va tout d'abord commencer debout, d'accord? Debout et on vient travailler les obliques. Attention, hop, on va y aller. On tend les bras et c'est parti, le petit mouvement de l'infini. Voilà, on essaie de réaliser un petit 8. Pour cela, jambes fléchies, fixez bien votre bassin, les bras tendus loin devant. Aspire au maximum ton nombril et resserre la taille. Allez, on reste toujours vers l'avant, gardez toujours les bras tendus, poings serrés. Voilà, le poing dirigé vers l'écran. Allez, là on doit sentir que ça chauffe. Hein. Encore, aspirez bien votre nombril, essayez de remonter votre nombril en dessous des côtes comme si c'était une fermeture éclair. Allez, surtout ne restez pas en apnée. Encore, allez, inspirez, soufflez jusqu'au bout. Et on relâche, on veut passer au sol. Un genou puis l'autre. Hop. Main en dessous les épaules. Poitrine entre les mains. Jambes tendues. Et on va envoyer le genou en direction de la main opposée. C'est parti. À tout moment si c'est trop dur. Garde jambes tendues. Autrement, genou au sol. Surtout, pas de fesses vers le haut. Allonge au maximum ta colonne. On rentre le ventre. Voilà, allonge la nuque, le regard entre tes mains, essaie de fixer au maximum ton bassin, voilà, essaie de rester parallèle au sol, n'envoie pas vers le haut, ni vers le bas, serre bien les fessiers entre le ventre, hop, resserre les omoplates, hop, souffle bien,
courage. Et on relâche. Super. On se met sur le côté. Le coude entre l'épaule. Jambes fléchies. Les cuisses en prolongement du corps. On rentre le ventre. Et on décolle les fesses. Et ensuite, on monte, on descend. On prend appui sur le coude et sur le genou. Et si vous êtes à l'aise, jambes tendues, on monte, on descend, voire bras vers le haut. Hop. Prends ton temps. 45 secondes, c'est assez long. Grandis-toi. Inspirez, soufflez. Allonge au maximum ton corps. À tout moment, si c'est trop dur, mets-toi sur les genoux. Encore. Très bien, jusqu'au bout. Et on repose tout doucement. À présent, allongé sur le dos. Les jambes fléchies. Menton poitrine roule. Bras écartés. Paume de main ancrée dans le sol. Jambes fléchies, option 1. Et on va venir pivoter tranquillement de chaque côté. Si tu compliques, envoie un peu plus tes jambes vers le haut. Allez, rentre le ventre au maximum. On décolle juste un petit peu la fesse opposée. Et ensuite, on revient. Allonge au maximum tes bras sur le côté. Les paumes de main sont ancrées dans le sol. Hop. Inspire ton nombril. Plaque les lombaires au sol. Encore. Prends ton temps. Ne va pas trop vite. Super. On fléchit les jambes. On repose un pied après l'autre. On roule. Et on passe à présent de l'autre côté. Et oui, il ne faut pas oublier. Il y a l'autre côté aussi. Pour la taille. Coude sous l'épaule. Jambes fléchies, on se grandit. On monte, on descend. On peut avoir bras tendus. Si on est à l'aise, jambes tendues, on monte, on descend. Allez, rentre ton ventre. Ressens la taille. Regarde loin devant. Encore. N'hésite pas à reprendre l'option une à tout moment. Allez, on tient, on tient. Encore, encore. Allez, courage. Paume de main vers l'avant. Grandis-toi. Et on repose doucement. Super, bien joué. Là, on a ciblé la taille et les obliques. J'espère que ça a été pour vous. Donc, n'hésitez pas à liker ce cours, voire même à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Je vous dis à très vite. Ciao.